Bonsoir, bonjour mes petits humains, nous allons récupérer les deux poissons qui sont là. Ben, ils sont là, ils sont tranquilles. Alors lequel va être l'heureux élu en premier? Ou peut-être les deux, ça serait bien. Allez, venez, approchez-vous, approchez, approchez mesdames et messieurs. Ah, je vois qu'un petit connaisseur est venu et attiré par ma ligne. Allez, approche-toi. Approche-toi. Vas-y. Et des spaghettis dessus. Et c'est un bar. Hein. Avec le jeu de mots que je ne comprends toujours pas. Bon ben c'était monsieur le bar qui était qui était content. Alors c'est des lasagnes, hein, tu les veux? C'est un bar? Oh, un saumon. Tu as attrapé une truite? Ah non. Quelle prise fortuite. D'accord. Je ne m'attendais pas à me retrouver avec un poisson, enfin un nouveau poisson directement. Je veux dire, c'est assez inattendu sur le moment. Je veux dire, c'était exactement la même taille, c'était exactement le même truc. Oh, bonjour. Ah, bah tiens, elle veut me parler. Est-ce que... Hé, Benjamin. As-tu remarqué que je salue toujours les gens de la même façon, bébé? C'est ainsi que j'essaie de paraître plus mature. Je crois qu'ici, ils sont prêts à me voir évoluer. Alors, Benjamin, tu as une idée de façon sympa de saluer les gens? Je trouve rien. Quoi, mais je... Mais tu... Ah, tu veux dire que je suis pas assez adulte pour... De me rester un long chemin par... Mais non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est parce que j'aime bien, bébé. Je ne voulais pas que tu dises autre chose que bébé. Ou parce que j'ai la flemme de trouver un truc assez intéressant. Mais bébé, ça lui convient bien. Ça parle de maturité. Maturité dans Animal Crossing, de toute façon, la communauté, les gens qui regardent Animal Crossing, c'est tous des gamins. J'ai une belle truite pour toi. Voilà. Coucou, tu veux voir ma truite? Voilà. Oh, une truite, très bien. Tu savais que la pas le plus populaire pour la pêche de la truite était quelques œufs de saumon. Bah tiens, je parlais de saumon, justement. C'est horrible quand on pense que la truite et le saumon sont cousins, Burk. Ça fait un peu cannibale quand même, non? C'est vrai qu'on y pense. Ça fait un peu cannibale. C'est vrai que c'est horrible, il a totalement raison sur le moment. Mais bon, nous on est des pêcheurs hors pair, nous on prend une canne à pêche, on la jette et c'est bon, on a pêché. Purée, est-ce qu'il y a un autre poisson qui pourrait enrichir notre vente? Ah bah tiens, toi. Petit bar ou carpe. Ou bien c'est un bar ou bien c'est une carpe. Montre que tu es un bar. Tu es une carpe, c'est ça? Oh! Ah, tu as attrapé un silure. Il a fière allure, ton silure. Applaudis-moi. Eh ben, si c'est pas Benjamin, c'est ton jour de sortie. Eh, hey, Benjamin, j'ai besoin de ton avis sur mes fringues. Oula, alors qu'est-ce que tu en penses? C'est pas la première fois que... Ah ouais, alors je suis à ce point à côté. Mais je pensais sûr. Je suppose que je n'ai pas dû capter le sens profond de la créativité. Ça va. On a de la chance cette fois. Purée. On va faire combien d'allers-retours chez Thibaut aujourd'hui? Dans combien de temps je vais vendre mes affaires chez Tom Nook? Allez, le silure. Oh, un silure, très bien. Les silures sont connus dans le monde entier pour leur appétit féroce. Ils essaient de tout gober, même les proies de leur taille. Enfin, c'est ce que j'ai entendu dire. Le plus gros de ces poissons affamés peut faire plus de 2 mètres. Imagine-toi dans une rivière avec un de ces mastodontes qui te poursuit. Quelle horreur. J'adore ses yeux, comment ils sont comme ça. Je pense pas que le truc de 2 mètres fasse... Le truc... Il est...
Il fait plus de 2 mètres dans la rivière. Non mais. Je me demande qu'est-ce que ça ferait en fait. Je sais pas si vous imaginez ce que je pense dans ma tête, mais en fait, la rivière, elle doit pas être très profonde. Elle doit faire au moins. Enfin, petit. Et le truc de 2 mètres de large et de hauteur. Il a même pas pied dans l'eau. Parce que. Héloïse. C'est Héloïse. Mais et du coup bah le poisson il a même pas pied, enfin je veux dire il a qu'une petite partie de lui dans l'eau. Bon Tom, donc on va pouvoir te vendre des trucs hein. Je vends. Alors bon déjà on va vendre juste les abeilles toutes seules hein, parce que j'aimerais voir combien ça vaut les trois. Ok, abeilles. Abeilles vendre. Alors à 7500 les trois. Ben, c'est pas mal, je suppose. Bon, le machin. Oh purée. C'est dur. Le pire, c'est qu'on peut. Il y a le système de visée qui existe, hein. Mais faut un adaptateur, ça c'est payant. J'ai pas trop les moyens, les gens. Ah, voilà, 2000. Ouais. Rien, merci. Et maintenant, on va pouvoir. De rien. Maintenant, on va pouvoir enfin. 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 Nous occuper de pouvoir payer le prêt, peut-être, hein? Non, parce que ça fait peut-être une vingtaine de vidéos qu'on est là et qu'on n'a toujours pas payé le prêt. Enfin. Eh ben, vous voyez à quel point je tiens aussi longtemps sur ce jeu-là. Ah, c'est un nouvel habitant. Eh mais je te connais, toi. Ah, mais je te connais pas, toi. On ira faire un petit tour chez... Chez Pauline, après. Pauline! Où es-tu, Pauline? La phrase du let's play. Pauline, où es-tu, Pauline? Est-ce que c'est ici? C'est le guichet de bureau d'accueil. Fonds de donation. Les fonds de donation, c'est un truc qu'on fera après avoir s'être occupé de toute la maison. Tout le près de la maison. Tu es au bureau de poste. Archive lettres. Comment on donne l'argent? C'était pas chez elle? Ah mais non, mais ça c'est sur DS! Faut aller dans la banque! Faire un dépôt. Ah non, mais j'ai rien, c'est vrai. Merci de votre visite. Banque de Nintendo, rembourser dette. Voilà. Continuez. Le montant de votre dette s'élève désormais à zéro. Merci de votre visite. Yahoo! Tu as remboursé ta dette, ta maison est payée. Voilà. Faire un dépôt. Voilà. Et en fait, en déposant de l'argent chez... ici. Oui, c'est très compréhensible. En mettant de l'argent à cet endroit-là, on peut avoir des chances de recevoir, par exemple, un courrier de la mairie qui nous dit « Monsieur, vous avez déposé de l'argent, mais avec des centres d'intérêt, vous allez en avoir un petit peu en plus. » Donc en fait, en ayant déposé de l'argent, on reçoit des clochettes. Un petit peu comme dans la réalité, sauf que dans la réalité, on s'est un petit peu plus douillé en fait. Enfin, c'était mieux à une époque. Faut m'expliquer pourquoi le personnage il court plus vite d'un coup. Il a moins d'affaires dans ses poches, c'est normal. Oh, il y a quelqu'un qui est là. On va rentrer. Écoutez.
Oh, pas lui, non! Gaston, et toi, je t'ai pas fait peur. Moi, je t'ai pas fait peur, cacahuète. Bon, tant mieux, je m'appelle Gaston. Je me suis installé ici pour repartir de zéro. Tout ça, c'est nouveau chez moi pour moi. Je suis pas habitué à ce que les gens cherchent à sympathiser. Enfin, je suis quand même ravi de faire ta connaissance. Le tout nîmes, cacahuète. Je ne suis pas assez aussi bourgon et que j'en ai l'air. Jure, et si tu en as un problème, tu peux m'en parler. À plus. Oh! C'est addictif! Oh purée! Comment qu'on va faire? Mince, faut aller voir Tom Nook, c'est vrai. Sinon, le prêt qu'on a fait, ça a servi à rien. Poum pidoum pidoum. Voilà. Salut! T'as rien à nous dire? Écoute ça, je faisais du catcheur et j'ai perdu la clé de ma maison. Encore? C'est une urgence, à l'aide! Et y a tous ceux qui ont perdu leur clé de la maison, ils se mettent là, ils font bonjour, j'ai perdu ma clé. Aidez-moi s'il vous plaît. Bon ben, de toute façon, on doit partir à la chasse aux poissons, donc. Eh! Tu viens? Eh, tu viens? Eh, tu viens, s'il te plaît. J'ai besoin de te vendre. Sauf si t'es un poisson qui veut aller au musée. Tu veux aller au musée, c'est ça? Explique. Est-ce que tu veux rejoindre la collection de Tom Nook ou tu veux aller au musée? T'as le choix. Attention! Bienvenue chez Tom Nook! Oh, je sais pas si j'ai déjà donné. Il me semble pas. Non. Non. Non, 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 pas encore. C'est ce qui s'était déjà passé la dernière fois. Ah, ben, le lag. Bonjour, le lag. Bon, ben. On va plutôt pêcher vers la mer. Mince, mais les lettres, ils sont dans la rivière. Enfin, les clés. Oui, mais bon, je préfère aller voir. Oh! Oh la belle bête! Oh la belle bête! Oh la belle bête! Vous avez vu la taille de ce truc? Et en fait, c'est au final, ça va être. Je dis la belle bête, mais au final, ça va être un pneu. Un vieux pneu, si ça se trouve. Donc un déchet. Ou soit on retrouvera mon corps d'une autre dimension. C'est tout aussi un déchet. Avec mon PC qui me troll. Ah, va y avoir un troll dans chaque vidéo en fait. Petit poisson, mais arrête de me. Tout t'en fous de moi. Tout t'en fous de moi. Tout t'en fiche de moi. Attends. Tout t'en fiche de moi. Viens. Ah, bah enfin! Allez, s'il te plaît. C'est des lasagnes qu'il y a dessus. Tu aimes les lasagnes. Bah voilà, vous avez vu, il aime bien les lasagnes celui-là. Purée, j'ai jamais vu un bar commun aussi difficile à attraper! Depuis quand c'est aussi difficile d'attraper un bar commun? Un bar commun, c'est pas difficile à attraper normalement. Et là, non, non, il fait son rebelle. Parce que c'est Sonic le rebelle. Ah, c'est peut-être lui la clé. Avoir sa taille, il y a de grandes chances. Allez, clé de je sais plus qui. Viens. Ne tombe pas dans la rivière. Eh, j'ai l'impression d'entendre un cadeau. Ah oui! Mes oreilles sont encore de bonne qualité, a priori. Quoi de bien beau qu'à d'avoir un cadeau pour terminer la vidéo. Ça fait beaucoup de O dans la même phrase.
Voyons voir ce que nous offre ce cadeau. Allez. Qu'est-ce que c'est? Ah, je suis obligé de viser. Ouvrir. Et c'est... un bonsaï. Ouais. Bon, bah sur ce... on va cesser sur cette vidéo. Alors moi je vous dis bye tout le monde et portez-vous bien. Mais je veux pas te parler à toi. Tiens Benjamin, qu'est-ce que tu deviens? Je posais la question par pure politesse. Surtout ne commence pas à me raconter ta vie. Bon, eh bien j'ai été ravi de discuter avec toi, mais il faut que j'y aille. Mais je m'en fous de ce que ta vie, toi. J'ai envie de te frapper. Voilà, souffre.